Alors moi c'est giga sombre, est-ce que c'est bon pour vous par contre? Faudrait que j'augmente un peu ma luminosité personnelle de mon écran, ouais. Est-ce que ça change quelque chose pour toi, Buffalo? C'est pas folichon, tu vois, genre tu vois pas de diff? Après moi sur mon retour le stream c'est clean, hein. C'est pour ça que ça m'étonne quand tu dis que c'est sombre. Je suis dans une grotte, ouais, attendez, je sors de la grotte. Est-ce que c'est pas juste là? Ah merde, combat. Oh, un autre Scarawatt! Est-ce que c'est pas genre juste la grotte, hein, qui est sombre, quoi? Heureux. Ah, re Lucas! J'ai un nouveau Temtem, Scarawatt! Un nouveau Temtem de foudre, il est grave stylé. Bon, par contre, ça lag 3000, hein. Non, non, c'est lag pour tout le monde, Bamut. Les serveurs sont en gros gros lag. Ouais, je pense que c'est peut-être juste la grotte, hein, qui est mal foutue. Hein. Tout bêtement. Ah ouais, ça lag. Ça lag hard. J'ai choisi ma cible, hein, j'attends. Eh bon, on va essayer attaque coup de boule là sur Sky. Ah bah regarde là, j'ai fait mes trucs et j'attends que la validation. Allez, chaîne d'éclair, boum boum boum. Pas de soucis, ça n'a rien fait à pognon. On va pouvoir avoir la nouvelle attaque coup de boule. C'est... Ah mais c'est le truc avec les cornes. Yes, ça fait ça. Oh, pognon qui... Niveau 17, cristallisation. Oh putain, ah ouais, vénère la def. Je vais peut-être le prendre ça. Cool, vers l'âme, j'ai enlevé grignote. Bonne nuit, c'est l'arc. Pense à le... Pense bien à farmer. Ah. Excusez-moi. Ouh. Alors. Ah, les platypètes, il est beau leur écran de chargement, c'est bien dessiné. Il doit y avoir une spore qui se dégage le soir parce que j'ai souvent des allergies, hein, que j'ai pas en journée. Pourquoi est-ce que dans le grand âge j'ai des allergies en soirée mais pas en journée? C'est très étrange. Est-ce que là c'est plus clean ou pas? Une fois sorti de la grotte, hein. Vous voyez pas de diff. Ok, donc c'est pas le... Oui mais non, dans ce cas-là, c'est... Dans ce cas-là, autant que moi je garde le HDR. Attendez, je quitte le jeu. Ah, j'ai pas reçu, hein. Attends, je relance. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que c'est juste la grotte, vous voyez, qui est sombre. Ah, c'est bon, je suis en jeu. Salut, près de chez moi, c'est le Barin. Ça marche, j'habite pas loin, je te confirme, Barin. Ça marche, les gars. Azelos. Mais attends, tu sais que je peux te grouper? J'ai la fibre. Azelos, moi je te vois en hors ligne. Oui, oui, bah je suis hors ligne. Oh le casu. C'est Demko, oui. Alors d'ailleurs, mettez plus un de ceux qui sont dans le Grand Est et apte à bouger. Ah, parce... c'est bon. Non, attends. Parce qu'en gros, faut savoir que si vous allez sur le Discord. C'est pas assez frais pour pouvoir former un groupe. Ami. Moi je suis dans la grotte, t'es où toi? Je suis dans la grotte, je suis au même endroit que toi normalement. Intéressant. Hop, est-ce qu'elle n'est pas assez frais? Ah, bien l'entrée de la grotte, on sort de la grotte. Attends, ça m'a lancé un combat. Je le défonce. Donc ouais, il y aura en giveaway dans le Grand Est, pour ceux qui sont prêts à venir chercher, de mon siège et de ma table que j'ai acheté quand je partirai le 3 novembre. Parce qu'en gros, bah, le but du jeu, je vais pas garder le matos, je peux pas le mettre, je peux pas me balader avec dans le... dans ma voiture. Donc en fait, à chaque fois que je quitterai pendant mon road trip, moi c'est sur road trip, un bled, oh je l'ai éclaté. Et bah je ferai un giveaway en fait, donc à chaque fois du même siège et de la même table, et voilà. Donc si vous avez une table pourrie, Snack Eater et Krusty, ou une chaise pourrie, eh ben vous pourrez avoir une chaise un peu plus sympa et une table un peu plus sympa. Voilà, voilà. Enfin, ça sera un de vous deux ou un de vous trois, il y en a une dizaine de personnes en Grand Est. Ok, je reviens à l'entrée de la grotte. Putain, ça a relancé un... Ah, oh, ça lag, ça. On a été trop gentil tout à l'heure, on a gilé ce truc, tu sais. Bah, c'est soit ça, soit je le jette. Mais non, mais c'est juste que...
vous l'avez compris, je pense, avec la boutique, je vais mettre 1500 à 2000 euros par mois dans la chaîne. Donc c'est pas une question d'argent. C'est juste une question que plutôt que de jeter les trucs. Non, je foutrais pas les pieds dans l'est. Bah autant que les en faire du gueule, vous voyez le siège est très bien. Vous tapez chaise de bureau Songmic sur Amazon, elle est à 100 balles, vous la verrez, elle est plutôt confortable. Et la table, c'est la table Brixton de Leclerc. Des fois, on est bien par contre. Ça fait soit une table à manger, soit un bon bureau. Table à manger pour 6 personnes, ou un très beau bureau, c'est une 160 par 90. Donc c'est plutôt cool en bureau parce que ça fait une belle profondeur. Et c'est important pour moi la profondeur. Moi tu vois, je me dis, plutôt que ça soit gâché, ça peut profiter à des gens, bon voilà. Puis ça fait toujours un petit giveaway en plus, tout le monde est content. Moi ça me fait, je peux filer des trucs aux viewers, je suis content. Les viewers reçoivent des trucs, ils sont contents. Rien n'est perdu comme ça dans l'achat. Tout va bien. Le bon sens. Ok, je suis à l'entrée de la grotte. Alors attends, tac. Ouais, c'est bon. Ça va me TP je pense dans ta session. Pareil, ça nous TP tous les deux dans une nouvelle session. Ok, ça marche. Et merci beaucoup Krusty pour le 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. C'est très gentil. Est-ce que t'as suivi en plus la boutique Krusty? Parce que là ton abonnement tu vas pouvoir bien rentabiliser. Donc on a deux possibilités, soit on peut monter au début de la grotte à gauche, soit on peut aller là à droite. En bas, je peux pas encore aller en bas. Ah bah allez go. Moi je suis pas monté non plus. Enfin, je suis juste resté à cet étage, hein, j'ai pas bougé. Ah bah, baston. Ah putain, j'avais pas vu Claude, il a moitié crevé. Ah bah c'est la Team Rocket ça. Ok. Vous êtes qui? Non, pour qui vous prenez? La question, c'est nous qui les posons. Bon, on les éclate. Hein. Oh, je vais les déchirer. Oh, je vais les déchirer. T'as une AOE? Non, non, t'en as pas avec lui. Hein. Pas d'AOE. Je vais leur faire ma meilleure chaîne d'éclair. Hein. Fais un petit point d'exclamation boutique, tu vas kiffer, Krusty. Wimplan, tu le one-shot normalement. Ouais, j'ai commencé la chaîne d'éclair sur lui. Hein. Donc va plutôt sur Calabis. Après, je pense que je one-shot les deux. On va voir. C'est bon, tu l'as pas tué. Yes. Logiquement, c'est bon comme ça. Je pense qu'il meurt les deux. Bam, bam. Oh là là, oui. Mais vive la foudre. Hein. Oh putain, trop beau. Après, je les one-shot pas eux. Je vais peut-être me healer d'abord, je pense. Ah mec, tu vas se healer. Ouais, je vais me healer. Démerde-toi, toi. Vite à vie. Ils sont que niveau 10, hein. Allez, ok, chaîne d'éclair. Ouais, je crois que je me demande si j'en one-shot pas un aussi. Ah, si t'en one-shot un, ok, bah... En vrai, fais ton éclair sur Paharak, celui du haut, celui qui est en face de moi. Ah merde. Au pire... Bon bah, dans tous les cas... Comme ça changeait rien, dans tous les cas, il allait sur le team. On va voir, et... Eh non. Oh, le faible. Beta. Les musiques sont tellement cool. Je kiffe. On parle de la cible à l'échelle subatomique. Allez, pile. Eh bah écoute, re-bienvenue à toi dans ce cas-là sur la chaîne Krusty. J'espère que tu apprécieras. Et il y a eu des nouveautés, un road stream, des vidéos de road stream et la boutique de points de chaîne qui arrive. Pas mal de trucs. Bon, waiting for Azedos. Oui bah je. Et quand je t'attends, je le répète pas toutes les deux minutes que je t'attends. Hein. Tu m'attends jamais, c'est faux. Ah bon? Est-ce que 89% des temps où tu m'attends, c'est pas lié au stream? Non, pas forcément. Ah bon, d'accord. Non. Bah, quand tu fais ton niveau quand tu choisis ta nouvelle technique, je t'attends à chaque fois. C'est pas faux. C'est pas lié au stream. C'est juste que je me fais pas la remarque. Ah, donc toi, mais toi, c'est peut-être parce que t'es un mec sympa en fait. C'est possible. Ouais, pas moi. C'est le problème. Ouais. Je sais pas comment faire moi pour être gentil, hein. C'est compliqué. Hein. Après, c'est bien d'être gentil. Hein. C'est mieux que d'être méchant. Attends un peu que ça grasse d'entendre parler de ça. Ouais. C'est vous juste de connards là. Ah, il y en a plein à buter des connards. Ah bah lui il nous a même pas vu. Hein. Attends, il nous a vu. Toi, file là-haut. Eh bah non, connard. Bim. Eh bien non, vilain. On peut pas dépouiller. Non, c'est bon, ils sont morts. T'inquiète. Fais une sieste, hein, on se rappelle. Allez, bim. Il va être content d'être venu lui. Paf! Paf! Allez, salut! Oh, allez, bisous! Fragile, il peut apprendre souplesse! Octroi vitesse! Ouais, bof! Ah, c'est mieux que ça, ce que je veux dire!
Alerte intrusion, envoyez des renforts. Non mais t'étais juste nul toi. Y'a un truc qui brille là. C'est chelou quand même, y'a un truc qui brille là où je suis. Ouais, j'avais déjà vu et je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est pas juste du décor ou si c'est un peu plus tard. Peut-être, ouais. Peut-être qu'on débloque un truc. Ça intrigue quand même, ça intrigue. J'en ai déjà vu un sur avant d'arriver ici. Qui es-tu ? Ah, je suis assez low, si je vais vous écraser ! Bim ! Bim ! Alors ils ont quoi ? Ah, ils ont les Pokémon de flotte, les Tenten de flotte. Ah non ! Bah chacun le sien, écoute hein. Je crois que tu vas l'éclater toi, le Swally. Allo Michi, moi je le one shot. Hein. Salut KissTV! Point d'exclamation boutique KissTV! Il en reste encore 3 des Temtem à prendre. Mais c'est super stylé ton double attaque! C'est stylé. Kaku! Ah! Plus relou à buter celui-là pour moi. Si tu peux le défoncer, au pire, moi je finis le tien. Avec une aérolame. Ouais, de toute façon, faut que je me repose. Ok, bah je finis le tien alors. Je viens de voir, c'est grave sympa comme concept. Bah dis-toi, il y en a déjà eu 17 jeux Temtem distribués. J'en avais promis au maximum 20, donc il y en a encore 3 à prendre. Et il y aura un autre jeu en septembre. Peut-être Steel Rising, peut-être des Battle Pass de Cycle, c'est possible. Bon, piche-piche, je le démonte. Occupe-toi de Kaku. Hop. Je veux le one-shot, je pense, piche-pique. Hein. Ouais. Ah, putain, mais Claude, il carry, hein. C'est dur, hein. Moi de voir Claude aussi fort dans un jeu, je suis pas habitué hein. Aïe, arrête de me niquer. Tu te fais. Et Claude qui passe 24. Bon je vais le finir lui, petite aérolame là. Mais en plus électro-rayon ça me coûte que là quoi, ça me coûte que 5 hein, c'est ouf hein. Peut-être à creuser, à quoi donc Zélo, c'est ce que moi j'ai raté hein. De quoi tu parlais qui était à creuser. Allez bim, salut toi. Ravixel Place Rusty, c'est le September. N'hésitez pas à investir de cette manière. Poignée de sable. J'aimerais bien faire évoluer quand même. Bon, après, Claude, elle est un peu au niveau. Je vais mettre ta T-Roule. Quoi qu'ils arrêtent pas d'avoir les trucs de flotte, donc bon, Claude, ça me paraît. C'est vrai que ici, c'est la flotte. Flotte, flotte, flotte. C'est pour ça que là, avoir Claude, c'est quand même pas mal, quoi. Moi, j'ai ça. Attends, ici. Ah, mais mon Genki, il a plus de PV. Écoute, on va faire comme ça. Oh, un petit Azeroo. Les lumières dans le coin que tu disais. Ah oui, tout à fait. Un truc à creuser. Je sais pas s'il y a une pelle. Je ne sais pas s'il y a une pelle ou un truc comme ça. Bim. Bim. Grosse patate. Vas-y, je vais faire de l'overkill complet. J'ai fait une attaque qui me coûte tellement d'endurance. Mais elle est stylée. Oh, j'ai sous pression. Juste feu. Ah, ça tombe bien, on n'a pas de feu. C'est vrai qu'on a. Ah, il a du feu, ses pattes ? Non, mais il faut un truc en feu. J'ai sous pression. Ah, d'accord, il se. Ok. De l'eau bouillante qui affiche brûlure. C'est un rajout de brûlure. Ah, c'est stylé. C'est stylé, d'accord. En gros, on chauffe comme un geyser, peut-être un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait de la vapeur. Quoi. D'accord. Stylé, stylé, stylé. Bon, cool. Comme on a toujours pas trouvé de trucs feu, je sais pas si on a tout de suite des trucs feu en plus. Bah, on sait qu'il y a le chien là enflammé, on arrête pas de le voir, tu sais, dans les. Oui, mais je crois que c'est beaucoup plus tard le chien. C'est possible, en fait. Ouais. Il me semble que c'était sur l'île volcan. On sait qu'on le farmera, ça c'est sûr. Après, je me souvenais pas qu'il y avait l'insecte carapace, donc peut-être rajouter des trucs. Oh, c'est épate. Le scarapate, je me rappelais pas non plus. Hein. Ouais, je pense qu'ils l'ont dû le rajouter. C'est possible, c'est possible. Bon, je le one shot. Hein. Oh, il le one shot. Ah, on a pas le temps. Hein. En même temps, il est tellement stylé. Et merci, pas de pitié pour le 11e abonnement. Bonsoir. Bonsoir à toi, n'hésite pas à faire une exclamation boutique. Ah, c'est. Ah, mais oui, c'est la maîtresse du dojo, d'accord. Bon, pour une maîtresse du dojo, se faire enfermer. Ok. Oh. Une femme est apparue. Lady Lottie, ok.
Est-ce qu'on peut... Voilà, il va falloir défoncer les dilotis pour choper la clé, je suppose. Voilà, c'est ça. Ok, on va te retrouver les dilotis. Elle connaît bien ses temtem. Mais nous aussi, ma chère, mais nous aussi. Elle sait pas qu'elle a affaire à des dresseurs experts. Ah bon. Je m'occupe du CEPA, d'accord. Je vais le griller, le bordel. Hop là. Bim. Non, c'était timide comme attaque, hein. Pauvre petite bête. Tu l'as eu ton scale ou pas au final d'ailleurs? Mon scale, oui, normalement. C'est bon, ouais. Je crois. Ouais, j'ai... Ah oui, je me rappelle qu'on revient avec Surf et ça nous débloque des cellules, des trucs comme ça ici. Hein. Oh, deux bombes plus. Ah. T'es avec eux. Ah, d'accord, en fait, ils nous attaquent parce qu'ils pensent qu'on va les agresser. Hein. Mais je crois qu'il fait du feu d'ailleurs, le lui. Hein. Ouais, mais c'est pas un feu. Non, c'est un, genre un combat feu. C'est ça. Oui. Ah, je sais pas si ça marche, parce qu'il faut, un feu avec moi. S'il est combat feu, bah... Alors, il faut qu'il y ait marqué feu dans le truc. C'est-à-dire que si c'est les deux, c'est bon. Hein. Parce que là, moi par exemple, tu vois Claude qui est foudre vol, il buff pognon. Avec les nouveaux pseudos, ça ne veut tellement rien dire, ça te méprase. Ouais. Oh la vache, la patate! Tu l'as fait un fois deux ou pas? Non. Non. Donc il est pas feu, il est que combat. Ok. Il est pas feu, autant pour moi. T'en fous, je vais utiliser un des baumes que j'ai eu là sur Claude parce que je crois qu'il a littéralement 2 HP. Baume plus, ouais, ça a 2 HP. Impeccable. En attente de Azelos. Bah, ah, désolé. C'était pas, là, c'est pas pour te faire chier, c'était en mode je comprenais pas pourquoi. Ok, bah écoute, non, mais lui, il est con. Seipat, hein, mais en plus, il va se faire one shot en Seipat là. Ouais, ouais. Bah, pour te donner une idée, pas de pitié, j'ai déjà distribué 17 jeux Temtem, il y en a encore 3 à prendre. Tu as même pas one shot. Ah ouais, niveau 19, t'es tranquille, bordel. Hein. M'a réduit ma def, c'est pas très grave. Ah tiens, il est. J'aurais pas cru qu'il serait sensible à ton attaque. Enfin, spécialement sensible. Est-ce que vous avez BTTV, Crossy et pas de pitié, pour bien farmer les points de chaîne? Pour lurker avec BTTV, c'est comme ça que vous farmerez au mieux. Petit coffre. Deux éthers, nice. Tout fait là-bas. Je suis encore en train de ramasser le coffre, ça a bugué. Ah, ça marche. Ah bah tiens, en parlant de ça, un autre coffre. Bombe fumigène. Oh, on peut se téléporter jusqu'au dernier Temporion avec la bombe fumigène. Genre on est grave dans la merde, on pourra s'enfuir comme ça. Ok. Tu me dis hein, quand c'est sera bon pour le coffre. Toujours en train de... Attends, et si je change... Ah, okay. Peut-être que si tu changes de zone... Non, j'ai... parce que ça t'a... Ouais, je tente la déco reco. Je pense que tu peux. Hein. J'ai l'impression que c'est full bloqué. Vas-y. Ah, le serveur. Ah, le serveur va bientôt redémarrer. Je viens d'avoir la. On peut quitter tous les deux. On vient d'avoir la notif. Quitter le jeu là. Ok, c'est reparti. Ok. Steam me dit non. Attends, tu vois. J'attends que Azelo soit là. Article ouais, en double. Là, je suis écran noir. Moi. Attends, vous ne recevrez pas de copie supplémentaire de Temtem. C'est chelou ça. Alors, mais pourtant il te continue à proposer l'achat. Ah merde alors. Et on est d'accord qu'il est vendu nulle part ailleurs, c'est ça? Ah putain. Bah donc, mais ah donc pour l'instant en fait c'est quoi? Tu demandes les gens en ami, tu l'achètes et tu leur offres, c'est ça ce cure? C'est quand même terrible. Là c'est relou.
Non, t'as réussi à te reco, toi. Et ouais. Ah bah la streamer lock, hein. Pas possible. On a la classe, on l'a pas, monsieur. Hein. C'est pas possible. Je fais du mid-journée en attendant. Je t'attends. Bon, bah, après, je me balade ici. Ah bah tiens, bim. Alors, c'est quoi? Oh bah, deux sky, fantastique. Ah mais en plus, ce qui est bien, c'est que Claude et Pognon, ils se... Claude, il booste Pognon. Bim, bim. Ah, je lui ai fait mal quand même à Pognon avec l'attaque chaîne d'éclair. Fuck. Heureusement qu'il n'y a pas de condition, j'aurais été ami. Bah, alors pour le coup, dans ce cas-là, j'aurais pas eu le choix, j'aurais dû utiliser un site sale. Hein. Ah, mon grand regret, hein, mais j'aurais dû faire. C'était la seule manière, il n'est pas vendu ailleurs, tu vois. Pourquoi est-ce que Humble Bundle nous limite à deux jeux? Alors, je vais vous montrer ça. Ça t'intrigue là, le roi Fanda. Je comprends, je comprends. Coup de boule, coup de boule. Alors, attends, je bute Jean-Michel. Et on va parler un peu des IA. Donc c'est quelque chose qui existe depuis quelques années maintenant, mais qui se démocratise depuis 2 ans environ. Je remonte. Alors reste à l'entrée et regarde, reste à la porte. Oh, attends, what? C'est quoi ça? Regardez le chat. Le mec, il a... Il a farmé pendant tout le jeu. Enfin, tu sais, il peut revenir ici, il doit faire le malin avec son truc. Là. Ah oui, d'accord, ok. Merde, je suis en combat. Mais tu voulais pas que je revienne au début? Je suis en... Si, viens, va devant la... Prends la porte et on voit si on peut se choper à l'entrée. Mais de tout début de la grotte ou juste la porte où était avant? Alors, déjà, on essaye sur une première grotte et si ça marche pas, on va à l'entrée. Ça marche. Bien. Hop. Et donc, voilà comment... Voilà ce que ça donne, Prof Panda, tu vois. Voilà en gros les propositions de mid-journée. Et ensuite tu peux faire plein de choses. Tu peux faire des variations, les upscaling. Par exemple, on va faire un upscale de chacun. C'est-à-dire qu'il va aller chercher plus de détails et avec plus de qualité. Hein, pour les 4 propositions qu'il a fait. Hop et hop. Oh putain, il reste un point de vie là. Putain, j'avais raté un coffre en plus. Réveilleur, très bien. Alors attends, donc toi, t'étais revenu à cette grotte là. Donc tu dois être ici. Hein. Je suis en combat par contre. Vas-y, pas de soucis, j'attends de voir.